Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur l'Urbex en journée. Et je suis avec qui? Avec Tonton Snake. Salut tout le monde. Donc du coup, on va aller dans un endroit plutôt sympathique. Une maison de retraite abandonnée. Allez, on va voir tout ça et c'est parti. De carcasses ici. J'espère qu'on va pas croiser de monde. Ou ça serait bien de croiser en fait un club d'urbex. Ah ouais, ça serait bien ça. Les personnes qui viennent ici un peu pour prendre des photos quoi. Ah voilà. Et une voiture. Et du monde. On va voir. Bon les amis, il y a des voitures donc je pense qu'il y a des personnes. Donc il va falloir faire attention parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber. Allez voir. Ah. Oh. Bonjour. Ah. Ah, Airsoft. Ouais. D'accord. Alors, on n'est peut-être pas. Bonjour. Bonjour. Le mieux, ce serait que vous mettiez vers le balcon là, tout à fait. Et comme ça, nous, on n'y va pas. D'accord. On gardera le couloir. Ok. Ça vous dérange pas, si on filme de loin, tout ça. Non. Ça regarde un peu, ok. Ok. Super. Bon, bien, merci. Mais... Merci. Bonne partie alors. Donc, si t'as une tête là, enfin, au milieu du balcon, on n'y va pas et tu tires pas. Ouais. On peut passer le couloir. Tu peux passer le couloir, mais tu tires pas. Genre, par exemple, si t'as la fenêtre en face là-bas, tu tires pas vers la fenêtre ici. On va dire, tu peux. Ok. Ici, tout le monde du balcon. Super, bien. Merci. Merci. Alors, à mon avis, ça craint pas du tout. Du coup, s'il y a des parties d'air. Ah oui, ça craint pas. C'est-à-dire que le bâtiment est solide. C'est nickel ça. Ouais. Bon, alors on va en profiter pour vous raconter un petit peu. On a beaucoup peur au départ parce que. Voilà, dès que tout l'étage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser sur le rez-de-chaussée et l'extérieur. D'accord. Comme ça, vous avez tout l'étage, vous pouvez vous balader partout. Vous pouvez ok, aller, d'accord, on fait ça. Okay. Le rez-de-chaussée, si vous y descendez, vous vous avancez, par contre. Toujours. C'est vrai, c'est vrai. Oh, dis donc, j'ai la caméra aujourd'hui, salut. Bonjour. Salut. Et pour monter en hauteur, on fait comment? On passe par où? En hauteur, encore au-dessus? Non, c'est le toit au-dessus. Nous, on a vu qu'il y avait des mecs qui passaient par là. Il y a des mecs qui vont dans le vide sanitaire. Salut. Ah, les cornes. Non, on va pas y aller. Voilà. Okay. Et à la limite, après, à la limite, quand on a fini, on vous le dit, on descend et on filme un peu dehors et après on s'en va. Nous, on va pas rester non plus. Non. Ok, bon, là, nous, on va envoyer une game entre le rez-de-chaussée et l'extérieur. Ok, voilà. D'accord. C'est ouais, on a des chaînes YouTube. Voilà. Bon, merci d'avoir découvert, mais non. Et vous faites quoi du coup? Un peu d'urbex? Ouais, lui il a une chaîne sur les reptiles, moi sur les frelons. Ah. Et on rajoute du l'urbex, un peu de tout. D'accord, tout. Mais c'est pas. Je vous ai souhaité une fusillade reptile et qui se fait mort aussi. Si, c'est ça. Ah! Je savais, ouais. J'ai vu que quelque part, mais. Ah, c'est ça. D'accord. Ouais, toutes les vidéos, ils sont si parce que moi je vais pas les serpents, j'ai putain un enfant qui avait des. Je sais pas si vous pouvez filmer en infrarouge ou quoi. Non, on n'est pas du tout ce qu'il faut.
parce que ça serait trop bien. Et si vous avez des lampes, il y a aussi le sous-sol qui est. On a une lampe torche. Après, on a les lampes torches. Ouais, bah, il y a un côté très. Ouais, le sous-sol, on va y aller. Ouais. Ouais, vous n'alliez pas, vous, dans les sous-sols après ? Non, on va faire l'étage et après, on ira au sous-sol, du coup. Comme ça, on vous laisse. Adressez-vous quand vous passez par le rez-de-chaussée. D'accord. Ok. Dans le sous-sol, il est juste en bas d'escalier. Vous allez voir, c'est pas très grand. Après, je ne sais pas si vous avez essayé, si vous avez le crématorium derrière. Non, non, du coup, c'est la première fois qu'on vient, on a repéré ça sur. J'ai cherché sur internet et je suis venu une fois pour voir en fait. Ouais, ouais. Et du coup, on s'est organisé ça. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, voilà. Ah, si vous continuez en fait sur le côté là, vous allez derrière ce bâtiment. Vous allez derrière. Vous continuez un tout petit peu, c'est en haut des marches. Ouais, les marches, ouais. Et vous avez un petit crématorium. C'est tout est. Ouais, mais c'est un ancien crématorium. Ici, je sais pas si vous l'en dites, mais avant, c'était un sanatorium. C'était Genre une maison de retraite, non? Non, même pas. Ouais, on a vu. Ouais, c'est là où les gens venaient finir leur vie, c'est pour ça qu'il y a un crématorium juste à côté. Ça a abusé quand même, dans un truc comme ça. Ouais, voilà, là, c'est quand même bien. En vrai, je pense que ce bâtiment-là, il est assez dangereux, puisqu'il va y avoir des murs quand même. Tu sais qu'il y a des murs porteurs, ça va être compliqué et tout ça. Ouais. On n'est pas lourd, ça va. Ouais, voilà. Merci. Je vois la dernière. C'est nickel, c'est sympa en fait. Des vidéos. Mais tiens. En fait, j'ai pas tout compris ce qu'ils nous ont dit, le secteur où on est. En fait, tout le tour de l'étage, on peut le faire. Eux, ils vont faire rez-de-chaussée et dehors. Ah, okay. Et après, quand on veut aller au sous-sol. Après, mais tiens, à la limite, tu peux filmer d'une fenêtre. Ouais. D'une fenêtre, tu vois. Tu les vois passer. C'est des endroits normaux pour ça. Donc on partage le territoire, on filme, on le laisse. On fait attention de ne pas se faire tirer dessus. Ouais, ça marche mieux. Je crois que j'ai qu'une batterie à ce GoPro. Ouais, mais j'ai des batteries. Hein. Non, mais pas sur la 7. Oh. Non, mais c'est pas grave, après j'aurais juste à. C'est vraiment des salauds, c'est pour acheter derrière. Ouais, c'est ça. Mais j'aurais juste à changer de GoPro en fait. Et je vais mettre la carte SD sur. Oui, voilà. Ouais. Bon, les délits, je vais essayer de faire une petite blague à Tonton Snake. D'accord ? Patientez. Thank you.
la ligne de verre. À mon avis, c'était la cuisine. Hein. Ouais, il y a des routes. C'est la cuisine de, des petits vieux. Franchement, au niveau point de vue, c'est énorme. Là-bas, c'est quand même pas mal la journée quand même. Que la nuit tu vois pas autant de choses. On va essayer de trouver le crématorium après. Même là, il y a moyen de faire des photos là. Ouais, on va faire ce qu'on va faire. Hein. Allez, go! On a pas mal de marches, on doit monter tout là-haut. C'est la muraille de Chine. Pour aller voir un crématorium. Qu'est-ce qu'il va faire pour lui? Je vais me péter la gueule. Là, je te filme au cas où. Enfoiré. Ah, ça fait le buzz. Un gros titre et la grosse gamelle de Toto Snake. Là, c'est pour ça, rapproche-toi du bord. Toto Snake, il va pas arriver jusqu'au bout là. Ah, là, t'es au bout là. Je vais y arriver, je dis! Voilà, Rémi! On pourrait le fumer là! Voilà, j'arrive! Fais gaffe, il y a Scream derrière toi! Regarde, t'as le tapis rouge! C'est pour les stars de YouTube ça! Ouais, il faut encore monter un petit peu, ouais. Ce sera mieux quand on descendra. Demain, je vais avoir des courbatures. Ah, ce sera peut-être plus dangereux de descendre. Alors, fais gaffe, ça glisse. Hein. Ouais. Il est pas sur les côtés. Dans mon malheur, je suis sûr de randonner. Vous avez l'air très bien là. Toi, par contre, t'as un glissé, toi. Ouais. Attends, j'ai des chaussures. Bon, regarde. J'ai dit, j'ai une chaussure de. Ça, crampon là. De randonner. Bah oui, mais pour ça, j'ai des chaussures de sécurité aussi. Attends, je vais faire le tour. Ouais. Tout ça pour ça? Ah mais c'est là où ils brûlent les gens quoi. C'est ça. Alors ça c'est le crématorium. C'est-à-dire que en fait, je reprends mon souffle. Toto Snake il est pas très sportif. Alors le bâtiment à couper, là on peut les personnes âgées, les personnes en fin de vie. Et ce bâtiment-là, c'est là où on incinère les justement les personnes qui sont décédées. Donc c'est un ancien crématorium, d'après ce que nous ont dit les gars qui faisaient de la fop. En fait, je te filme, comme ça, je garderai ce que tu as dit. J'ai pas besoin de le répéter. Là c'est parti pour la redescente. Donc ça peut être dangereux. En espérant ne pas tomber. Allez, 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 allez.
Dédé, il a l'équilibre d'un frelon. Dommage. Merde, ça m'a éteint la GoPro. Je me suis mangé. C'est chaud patate. Ça va, tu t'es pas fait mal? Non, mais j'aurais pu, je me suis mangé l'arbre. Par contre, fais gaffe à l'escalier parce que là, ouais. Là c'est les fesses qui vont avoir mal. J'ai déjà eu cette marche. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre au bord. Pour pouvoir se retenir sur un muret. On va envoyer la descente. Hein. Ah, tu veux qu'on passe par le bord? Ouais, comme ça, tu mets une main, tu vois. En fait, le problème, c'est que c'est très glissant. Et c'est les feuilles qui nous font glisser là. Moi, j'ai un gros plan sur toi, si tu glisses. Ouais. Voilà. J'aurais un dernier souvenir pour ta femme. Voilà, comme il est con connement. Comme il est mort connement. C'est ça, c'est ça. Ah, attends, ne bouge pas. T'es accroché là. Abonnez-vous. Vous voyez le risque qu'on prend pour vous les amis. Non, on rigole, hein, on s'amuse. Mais il faut faire quand même attention, surtout quand on fait de l'airping, de l'urbex. Voilà, toujours faire attention, se mettre en sécurité. Bon voilà les dédés, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo urbex vous a plu. Nous ça nous a plu. Oh putain, on a adoré. C'était vraiment super. Je pense qu'on reviendra. Ouais. Là, sûr. On va revenir avec des amis. On va essayer de faire des vidéos plus détaillées. Ouais. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Tonton. C'est pas filmé pareil. C'est d'autres angles. Il y a des choses que vous avez vues sur ma vidéo que vous n'allez pas voir sur, que vous n'allez pas voir sur sa vidéo, mais des choses qu'on va voir sur ta vidéo qu'on verra pas sur la mienne. Donc, on vient voir les vidéos et je vous dis à très bientôt les dédés.